Bonjour à tous et à toutes, nous voici pour une nouvelle vidéo sur les actualités de Star Stable du 3 avril 2024. Surtout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et donc, on va débuter avec des nouveautés exceptionnelles qui font leur arrivée à Jorvik pour la deuxième semaine du festival équestre. Donc il y a pas mal de chevaux qu'on va pouvoir acheter et qui sont en solde. On va tout de suite démarrer sur les 40% de réduction. Après avoir goûté à l'énergie débordante des précédents festivals équestres, certaines variations de robes exclusives sont de retour. Deux pur sang arabes. Donc voilà, il y a deux petits pur sang arabes. Très joli celui-là, j'aime beaucoup. Nous avons donc deux pur sang anglais. Alors ce pur sang anglais-là, il me fait beaucoup penser à... au cheval d'anniversaire. Il a à peu près la même robe. Nous avons aussi deux lusitaniens. Voilà. Bon après lui, ils sont pas exceptionnels. Hein, mais ils sont beaux, mais ils sont pas exceptionnels les lusitaniens. Enfin, je parle pour leur couleur de robe. Et donc un andalou. Donc là, andalou, hein, couleur Isabelle. Très joli. Voilà, donc c'est marqué que... ils sont disponibles aux portes ouvertes de l'écurie Jorvik avec une réduction exclusive au festival. Et l'un de ces 7 champions rejoindra-t-il ton écurie? Alors, ils disent... j'aimais comment ils disent ça, c'est vrai que si on s'en souvient pas de la semaine dernière. Ils disent que c'est disponible aux portes ouvertes de l'écurie Jorvik, oui, mais à Mourland. Ne vous faites pas avoir. Ce sont des chevaux que tout le monde peut avoir, hein, donc, enfin, que tout le monde peut voir, en tout cas. Et après, il faut... faut avoir comment dire, les Star Coins disponibles pour pouvoir les acheter. Donc on a fini pour Mourland, on va aller donc à l'écurie Jorvik cette fois-ci. Et ils ont aussi des dadou avec aussi donc des petites robes, enfin des variations de robes exclusives. On va aller les voir, en plus alors, ils sont juste à côté. Alors c'est découvre 3 nouveaux champions, chacun venant illuminer le festival grâce à leur beauté unique. Ces vainqueurs sont uniquement disponibles aux portes ouvertes de l'écurie Jorvik. Attention. Hein. Où ils nous honorent de leur présence pendant toute la durée du festival. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces 3 chevaux-là, par contre, ils sont réservés aux Star Riders. Ceux qui ne sont pas Star Riders ne pourront pas les avoir. C'est dommage, hein, mais bon, c'est comme ça. Excusez-moi qu'il y a un peu beaucoup de monde. Mais bon, vu qu'on est le mercredi, c'est un petit peu normal. Donc, 2 nouveaux Hollandais à 100 chevaux sont disponibles au prix de 950 Star Coins chacun. Voilà, je vous les montre. Oh, il est beau le pie gris là. Oh là là, il tape quand même. Hein. Et tu peux aussi te procurer un superbe Lipizan contre 950 Star Coins. Donc lui aussi, il est très très beau. Très joli. Après avoir fait donc les présentations avec les nouvelles robes de Dadou qui seront présents juste pendant le festival, eh ben il y a le comment dire la suite des aventures avec Sabine. D'ailleurs j'avais pas fait gaffe, mais c'est vrai que à chaque festival on avait comment dire j'adore le jeu commencer. On avait donc le comment s'appelle donc c'est non, c'est pas celui-là. Les habits en fait de Sabine. Attends, je vais m'amuser. Il faut juste que je les retrouve parce que j'en ai beaucoup trop. Il va falloir que je fasse du tri là parce que c'est plus possible. Mince, c'est où? Enfin bref, c'est pour dire que on a aussi les habits de Sabine et que c'est sympathique en vrai. Vite. Je sais que ça fait un peu rougeâtre. Ah, c'est... J'allais dire j'ai fusionné avec quelqu'un, mais non, c'est bon. Oui, bah c'est pas grave, écoutez, je vais le retrouver après. Parce que là, je l'ai pas du tout... Ou... Ah non, c'est vrai. Je pense que je l'avais mis de côté pour éviter de chercher. Ouais, j'ai trop de trucs, hein, en vrai. Voilà, j'ai... En plus, vu que ça fait des années que je joue à Star Stable, je... ouais. Voilà.
Donc non, ça doit être dans les chevaux que j'avais mis un équipement à part. Si je me souviens bien. Mais ouais, voilà, c'est pour dire que j'ai pas mal de choses qu'il va falloir que je trie. Parce que je vais plus avoir de place. Ou va falloir que j'envoie un message à Star Stable en leur disant faudrait peut-être agrandir encore parce que là c'est compliqué. Non, parce que bah j'ai des tenues de chaque événement de chaque événement de chaque année. J'ai aussi des vieux vêtements. Ouais. C'est. Bon, ça c'est Thompson le galopeur. Ah voilà, trouvé. Toc. Toc. Et toc toc. Je sais qu'il y a une année, je crois, c'était juste le gilet, l'autre c'était le pantalon, un truc comme ça. Voilà. Hop. Toc toc toc. Hop. Voilà, il nous manque les bottes. Mais je crois que. Non, je crois qu'il n'y avait pas les bottes. Enfin bref, pour dire quoi, là, on a. À force, on va avoir l'équipement entier de Sabine. On va pouvoir lui ressembler. Bon, malheureusement, il manque la tête et les cheveux. Hein. On a. J'ai pas ça. Ah oui. Ouh. Ça, c'est la tenue. Ah oui, c'est la nouvelle tenue de débutante qu'ils avaient mis. Mon dieu. Bref, voilà. Nous sommes bien. Nous sommes parés. Nous ressemblons presque à Sabine. Donc, de retour pour te jouer un mauvais tour. On dirait que Sabine est de retour et qu'elle prépare un mauvais coup. Ou peut-être a-t-elle simplement besoin de ton aide. Et il faut beaucoup de courage pour oser demander de l'aide. Mais quelle est la nature de ses intentions? Auras-tu le cran de découvrir ce qu'elle manigance? Alors c'est marqué, cette mission est désormais accessible à tous. Donc, je sais pas du tout comment pour ceux qui sont pas Star Rider, mais bon. Je pense que ça va être au niveau de Mourland. Tu es au courant de ce qui se passe? Des cochons ont complètement perdu les pédales et sèment la pagaille. Tu veux bien nous aider à ranger tout ce bazar et t'assurer que tout le monde va bien? Là-bas. T'assurer que les témoins vont bien. C'est pas passé loin, mais tout va bien. Ah, c'est pour ça qu'il y a des sacs et tout en vrac, là. Ranger. Ah, il y a un petit cochon là qui court. Ah oui, le stand carrément des mistinguettes là. Bon, c'est pas très très bien rangé. Hein, mais... Enfin, il y a mieux, on va dire. Parce que le stand de base déjà, il est pas top. Non, je voulais pas acheter, je veux ranger. Moi, je... J'allais dire, voilà, merci. Et là-bas, je suppose qu'il faut ranger. Ah non, faut s'assurer pour les... Que les témoins vont bien. On va bien, merci. Alors, donc il manque les petits cochons, là, que je vois qui se promènent, en tout cas un. Merci pour ton aide. Depuis que ces cochons se sont enfuis, Martina ne sait plus où donner de la tête. Tu veux bien les l'aider? Je peux bien ramasser déjà le petit cochon qui court partout ici. Hein. Hop là! Je passe par un raccourci. Alors... Madame, les cochons sont des animaux très sociables qui vivent habituellement en troupeau. Ils doivent être terrifiés à l'idée d'être séparés ou de se retrouver loin de chez eux. Là, regarde, la porte n'est pas cassée, il n'y a pas de trou sous la clôture. Tu sais ce que ça veut dire? Que la personne qui a fait ça a forcé de laisser sortir les cochons. Que la personne qui a fait ça n'était pas au courant des conséquences pour tes cochons et toi. Non, plutôt prenez. Tu m'as l'air bien au courant, peut-être parce que c'est toi qui es derrière tout ça. Je suis innocente, mais je crois connaître la responsable de toute cette pagaille. Je n'aurais pas dû t'accuser. Le bruit des grognements de cochons me rend chèvre. Et je suis désolée. Pas le temps de discuter, il faut qu'on attrape les cochons et qu'on les ramène sains et saufs à la ferme. Il paraît que vous faites d'excellents gardiens de troupeaux avec ton cheval et toi. Tu veux bien essayer de ramener mes cochons, Patty?
Il y a 5 cochons en liberté. Tu veux bien les retrouver et les ramener à la porcherie? Les cochons sont des animaux très intelligents. Amène-les près de la clôture et ils retourneront de même dans la porcherie. Un là. Bon, déjà, je peux... Voilà. Il y en a un qui se promène par ici. Là-bas. Ici, petit cochon tout rose. Est-ce que si je vais trop vite, je le sème ou est-ce qu'il court très vite? Ah non, c'est... Les cochons, c'est fait pour la course. Non, je rigole. Bon, il y en a un, il est caché dans les champs de blé. Ça, c'est génial. Ah, j'ai vu. J'ai vu les étoiles. Allez. Hop là. Voilà. Et donc il manque celui qui a l'écurie Yorvik et qui est parti voir peut-être ses copains, hein, parce qu'il y a des cochons aussi en bas, il est là, ici dans la ferme. Ah oui, non, il est parti carrément dans la carrière. Hop. Le dernier qui court partout ici. Il est petit, ouf. Puis en plus, il y a trop de monde. Tu vois pas le pauvre? Ah si, je l'ai vu. Mince. Ah, ça, c'est... Oui, d'ailleurs, il me manque juste acheter un ensemble et moi j'ai tout fini. Hein. Merci beaucoup le fait que j'en ai eu pas mal l'année dernière. Hop là. Donc ça, je me rappelle qu'on devait le faire aussi l'année dernière, mais on devait tout faire d'un coup. Là. Enfin, c'est... Les missions sont pas pareilles, sont pas les mêmes. Oui, non. La porte, ça serait cool. Voilà. En plus, d'ailleurs, je pense savoir ce qu'on va faire. Aussi... Enfin, merci beaucoup. Apparition. Ça me fend le cœur d'interrompre tes merveilleuses petites corvées agricoles, mais il est temps de me suivre. Bah écoute, on va la suivre. Où elle va nous emmener la petite Sabine? Ah oui, c'est bon, je m'en souviens. T'es à la traîne, t'es censé me suivre, je te rappelle. Je vois la traîne là-haut. Cet endroit a l'air parfait pour parler. Ouvre grand tes oreilles, je suis très occupée, donc j'ai besoin d'un larbin. Même si ce festival est ridicule, je devrais avoir le droit d'y participer. Malheureusement, ces filles du club équestre trouvent toujours des raisons de se plaindre de moi et de m'exclure de la compétition. Si tu veux mon avis, elles ont surtout peur que je rafle tous les rubans. J'ai d'abord pensé à menacer ou à faire chanter les organisateurs du festival avant d'avoir une idée de génie. Tu sais ce que ces nunuches adorent plus que tout? Les décorations. Je me suis donc empressée de commander des décorations spéciales pour... relever le niveau de ce festival. Si je décore le site du festival, ça pourrait suffire à les convaincre de m'inclure. Au minimum, cette simple action permettrait de graver mon nom dans l'histoire du festival équestre. C'est là que je vais avoir besoin de toi. Si tu vas devoir faire quelques courses pour moi. Tu es docile, tu as l'œil pour les jolies choses, et en plus, tu as de l'expérience. Pourquoi me soutenir? Parce qu'en tant que Soul Rider, tu œuvres pour la justice et qu'il n'y a rien de plus injuste que d'exclure la meilleure cavalière de dressage d'un événement équestre. Tu dois prendre ma défense pour la justice. Maintenant que tout est clair, ta première mission sera de récupérer un colis que j'ai commandé. Je dirai quand il sera prêt. Ne m'oblige pas à te chercher partout, sauf si tu as envie de me mettre en rogne.
T'es à l'heure, je te félicite. Le colis est prêt. Il faut aller le récupérer à la cabane de la GED. Évite de te faire repérer par les gardes. Ils n'aiment pas trop les gens comme toi. J'ai encore des préparatifs à faire. Rapporte-le-moi ici. Ouais, tu parles d'un colis, toi qui as été commandé, hein. Allez, on va plutôt voler le colis. Comment ça se... Est-ce qu'ils ont mis le fait que... Non, tu peux y aller tranquille ou sans te faire repérer. Oui, ils disent qu'ils t'aiment pas trop, mais ça va. Ça doit être le colis. Tu dois rapporter ce colis à Sabine. Là, tu vas voir, on va... Voilà, c'est ça. C'est au moment où on prend le colis que... Faut pas qu'on se fasse repérer. Oula, mais il y en a partout, en fait, dites-moi. Ah ouais, ici, on peut pas passer. En plus, il bouge pas. En mode, bah non, t'as pas le droit de passer derrière. Comme ça... Je peux passer au niveau de l'arbre. C'est Just ici, un petit peu, là. Et vite, 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 vite. Et c'est Just, hein. Faut bien calculer. Tiens, Sabine a disparu. Sabine est en train de me tester ou elle est vraiment occupée? L'étiquette indique article de fête et décoration d'hardcore. Hein, quelle horreur, j'imagine qu'il y a rien de mal à vouloir diversifier son activité. Oh non, des étiquettes d'avertissement. Avertissement, contenu hautement inflammable. Oh oh, ils mettent vraiment ça sur tout et n'importe quoi. Non. Devenez un véritable pro du feu d'artifice avec notre poudre à canon mélangée avec du draconium. Le vendeur n'est pas tenu responsable des éventuels préjudices matériels ou corporels causés par ce produit. Wouh! Des feux d'artifice mélangés avec du draconium, il faut absolument que j'en parle à Linda et Alex. Je crois que je me suis mise dans un sacré pétrin. Rien d'alarmant, j'imagine que Sabine ne prendrait pas de risques inutiles. Hop là. Tu n'as pas pu t'empêcher, hein, espèce de petite fouineuse. On ne t'a jamais appris que la curiosité était un vilain défaut? Donne-moi ce colis, on a du pain sur la planche. Je te signale que tu es censé m'aider à décorer le festival. Ne me dis pas que tu avais oublié. Les feux d'artifice au festival, c'est trop dangereux. C'est complètement irresponsable, cela pourrait blesser un cheval ou même un cavalier. Quel est l'intérêt de s'entraîner tous les jours si on n'est même pas capable de contrôler son cheval? Kian ne réagit à rien d'autre qu'à mes ordres. S'il y a des blessés, ce sera entièrement de leur faute. On parle de feu d'artifice mélangé avec du draconium, Sabine, c'est complètement dément. Tu m'as piégée. Je voudrais juste traîner un peu avec toi en toute tranquillité. Je ne vois pas ce qu'il y a de si surprenant. Assez parlé, place à l'action. Donne-moi ce colis et tu auras la vie sauve. Tu pourras te sauver, je veux dire. Ouais, ouais, je vais pouvoir me sauver, ouais. Yahoo! Bon, ça commence bien déjà. Je vais aller tout droit, mais mon choix il a fait... Non, je veux pas aller tout droit. Elle est derrière, hein. Moi, elle avance moins vite que si je faisais la course avec elle. Elle rattrape, hein. Là, c'est pas le bon côté. Et tourner. Donc faudrait que je grimpe sur la gauche comme ça. Hop là. Voilà. Ça m'épargnera. Bah si en fait. Mon cheval il a du mal à tourner.
Y a pas que moi qui fais des courses, ce que je vois. Est-ce que je peux... Ouais, non, c'était juste pour savoir. Est-ce que... Attends, vu que je suis hors truc, est-ce que Sabine va me rattraper? Je sais pas. Je sais pas où aller, en vrai. Est-ce que si t'es hors... hors chemin... Ouais, si... Ah, il est juste derrière. En fait, non, ça a des points clés, en fait, qu'elle vient t'embêter. Ah, j'aurais dû attendre qu'elle passe. En fait, ça a des points clés, en fait, qu'elle vient t'embêter. C'est pas... C'est pas juste aller derrière tes petites fesses et elle te suit. Ok. Allez, c'est reparti. Là, c'est un sans faute. Concentration. Ah, à chaque fois, je me fais avoir. Quoique, vu que Sabine, voilà, elle est passée. Hop là! Ce qui fait que bah je l'ai pas. Esquive de Sabine. C'est pas mal ça en vrai. Bon, ici, après avec les bottes. Ah purée. Mince non. J'ai pas mis le bon. Je suis obligée de retourner là-bas. Ah, ce parcours quoi, c'est fou. C'est pas un petit parcours. J'ai failli tomber là, on est d'accord. Tac. Ah quoi, tu connais pas le parcours hein? Puis vu que ça fait un an, il y a certains trucs en un an, hein, ça, tu t'en souviens plus. Hein. Tu te souviens de Bride, mais tu te souviens pas de tout non plus. À moins que ça t'a vraiment marqué. Bon, là, j'oublie pas. C'est tout droit. Voilà. Là, on tourne. Sans le lag, ça m'a très bien. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Non! Ça va être embêtant. En vrai, il te demande d'aller tout droit, mais bon. Et puis, vu où il a place en plus, ils font exprès. Oh, le lag, s'il te plaît. J'ai pas très envie que Sabine me rattrape juste parce que je prends du lag. D'ailleurs, on galope avec des feux d'artifice, hein, quand même, je sais pas, c'est... Rien que déjà là, en fait, ça pourrait péter à tout moment. En plus, elle est méchante, Sabine, je me suis déguisée comme elle. Bon, là, c'est du nouveau. C'est pas du tout où il faut aller. D'accord, faut faire le tour, c'est ça, et après tourner là. Ouais. Je crois qu'elle est plus derrière là. Vu qu'il y a tout le monde là, le jeu il est en mode PLS. Hey, ça va, on dirait que tu viens de traverser toute l'île. Tu as soif? J'ai une grosse bouteille de Yor Cola dans ma sacoche. Reprends ton souffle et dis-moi tout. Alex, accouche. Alex. Allez, accouche, qu'est-ce qui se passe? C'est Sabine, elle, j'ai trop honte pour en parler, je crois que je me suis abominée. Je crois que j'ai compris, Sabine t'a piégé, pas vrai? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle t'a embrigadé dans une de ses combines, c'est ça? J'en ai ma claque, je vais aller la retrouver. Elle va voir de quel bois je me chauffe. Tout doux, Alex, c'est pas le moment. J'imagine que ça a un rapport avec ce colis, voyons ce qu'il contient. Hein? Tout ça pour un seul et unique feu d'artifice? Ça valait le détour, dis donc. Alex, ce carton est beaucoup trop gros pour un seul feu d'artifice et devrait sûrement être plein. J'ai filé à toute vitesse et le colis n'était pas correctement fermé. J'ai fait attention mais j'ai dû en faire tomber plein. On est mal. Si Sabine met la main dessus, elle s'en servira pour ses plans super machiavéliques.
Gardons notre calme, du moins pour l'instant. Je suis sûre qu'on peut encore retrouver les feux d'artifice. Revenons sur tes pas. Enfin, oui, revenons sur tes pas. Essayons de trouver les feux d'artifice manquants. Ok. Ah, je suis obligée de descendre en fait pour les récupérer, c'est ça? Oh, ça va si j'en ai que 5 à récupérer. Et que ça me fait descendre tout seul, moi ça me va. Voilà, la barre elle est quand même extrêmement rapide. Il n'y a pas que moi qui fait la... qui fait la mission. Tipi-tipi-tip, là-bas. Alors je sais pas comment il est tombé ici celui-là, mais bon. Ouais, là ça sert pas à grand chose de faire que la barre elle, soit moins longue à attendre pour celui-là, mais bon, après. Hop, et un dernier. Hop, en remontant. Salut les Soul Riders, c'est sympa de ramasser mes feux d'artifice. Je n'arrive pas à croire que tu aies essayé de t'enfuir avec mon dû. Ça n'a pas très bien fonctionné, on dirait. Premièrement, tu as fait tomber tous les feux d'artifice, sauf un. Deuxièmement, j'ai réussi à vous rattraper. D'ailleurs, c'est une tortue ou un cheval sous ta selle. Troisièmement, je suis très très en colère. Quatrièmement, dégage ici avant que je me charge de te propulser jusqu'à Pandoria. Je refuse de t'aider, tu ne me fais pas peur. J'ai fait ce que j'avais à faire. Pff, toujours les mêmes rengaines. Laisse-moi deviner. Tu penses pouvoir flirter... Ouais, ça flirtait avec le côté obscur quand ça te chante. C'est ça. Je suis sûre que tu en parles... aux quelques personnes qui partagent le même point de vue que toi, mais que tu te gardes bien de le dire à tes meilleurs amis ici présentes. Ouvre grand tes oreilles, petit Soul Rider. Toi et moi, on n'a rien à faire ensemble. En plus, tu ne me connais même pas. Je dois y aller. Il faut croire que tes terribles menaces ont fonctionné, Alex. Je plaisante, bien sûr. La vérité, c'est que tu commences à me filer des boutons. Ça, c'est pour moi. Hey, ça c'est pour moi. Plutôt en mode, elle prend les feux d'artifice et hop là. Oh non, elle a filé avec les feux d'artifice. Faut qu'on la rattrape. Bof, ça ne sert plus à rien maintenant. Découragée. On ne peut plus rien faire contre Sabine. Elle est plus forte, plus rapide que nous. Et c'est un véritable génie du mal. What? Alex? Alex Cloudmal, tu te fiches de moi? Je croyais que tu avais l'intention de propulser Sabine jusqu'à Pandoria. Dépêchons-nous de la rattraper. Ça ne sert plus à rien, je te dis. Je suis sérieuse, Linda. Mais qu'est-ce que t'as à la fin? Bon, je ne tiens plus. Il se pourrait que j'ai versé le contenu de ma bouteille de Yorkola sur les feux d'artifice de Sabine. Ils sont fichus maintenant. Mais non. Mais si. T'es génial, Alex. Oh non, c'est Sabine qui va vouloir te propulser jusqu'à Pandoria. Ouais, non. On sera toujours là pour protéger les autres du danger. Tu as bien fait de couper court au projet de décoration de Sabine. Je sais qu'elle peut se montrer très persuasive, mais elle n'est pas notre amie, crois-moi. Sabine est vraiment cool quand même. J'ai tout de suite vu clair dans son jeu. Dis Linda, tu as remarqué qu'il y avait personne à notre stand. Justine pourrait peut-être nous faire de la pub dans le journal ou coller plus d'affiches. Oh non, sauve-toi pendant qu'il est encore temps, Justine. Allez, file vite d'ici. Bravo d'avoir assuré la sécurité des festivaliers. Justine, rassure-toi, c'est normal de vivre des moments de doute, ça arrive à tout le monde. Va t'amuser maintenant, à plus tard. Bien, alors je crois que les gants je les ai déjà. Et voilà, le gant, enfin les gants et le pantalon, voilà, je l'ai déjà. Je vais les avoir en double, non mais... Je vais les vendre. De toute façon, ça sert à rien. Et après, donc, restez là les Soul Riders. Hein, enfin, plutôt les abonnés.
Car il y a encore un petit truc à faire. Et par contre, il faut être Star Rider, malheureusement. Si vous n'êtes pas Star Rider, vous ne pourrez pas profiter de ce joli cadeau à la boutique bonus. Hop là. Bien évidemment, il faut être Star Rider avec un paiement unique, hein, sinon vous ne pourrez pas avoir donc les équipements cavaliers ou chevaux. Voilà, un casque de dressage Royal Ascot. Voilà. Donc ce sera tout pour cette mise à jour. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Donc surtout n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine, bah, surtout pour la semaine prochaine. Allez, des bisous!